D'accord. Tout bien. Après, bien. Tu veux encore? Hein? Thank you.
Un arbre. Et comment tu dis une fille? Une fille. Une fille. Oui. Et un garçon? Garçon. Garçon. Et un papa? Papa. Papa. Ah, c'est bien. Et maman? Oh. Maman. Maman? Oui. Pourquoi? Maman. Maman? Oui. Et un bébé? Hein? Un bébé. Bébé. Petit papa. C'est comme ça, un bébé? Et petit? Comme ça, c'est tout? Non, mais comment tu dis petit? Tu sais pas? Petit. Maman. Maman voudrait savoir parler comme toi. Petite? Oui. Petite. Ah, petite? Il fait beau. Quoi? Il fait beau. Maladie. Ah. Maladie, ah. Mais ah, tu triches? Mamie, écoute, mais regarde. Eh, tu triches? Il fait beau. Il fait beau. Tu as compris? Il pleut. Bon. Non. Il pleut. Il est beau. Non. Pourquoi? Il fait beau. Il fait beau. Non. Le soleil. Il y a le soleil. Alors, il fait beau. Ah. Hein? Après. Devine. Où est Roxane? Tu as compris? D'accord, tu es Roxane. Tu as. Où est Roxane? Voilà. Quoi? J'ai pas entendu. Attends. J'ai pas entendu. Papa. Papa, c'est facile. Eh, maman entend. Papa entend. Papa entend. Et Florent? Oui. Tu entends? Oui. Ah bon? Hein? Eh, tu regardes? Papa entend. Oh, tu me fais un gros bisou.
Tu en as pour longtemps, Seigneur Chassis, là. Tu as pratiquement fini, là. Sitôt que tu as fini, et tu peux l'envoyer dans l'enfolo, j'aimerais que, avant 18h, tu ailles sur les mécanismes, là-bas, hein, hein, pour les réglages. Hein, c'est possible? Non, ok. Hein. Sitôt que tu as fini le châssis, que tu l'envoies dans le prolo, sitôt que tu as fini, tu peux aller le truc là-bas. Hein? Voilà. Il faut dégrafer le scrap. Oui, derrière, voilà. Parce que tu sais, après, ça prend ensemble tout le col. Voilà. Son chapeau, il est là. Non, il est là. Mais oui, mais c'est normal, il baisse. Non, non, je n'ai pas dit si. Le crochet, c'est pas vrai. Ouais, je sais pas comment il est. Il ne faut pas trop qu'il en rentre, s'il va avoir la barre au courant. Quand tu la lèves, tu as la barre. Il est dans mon sens. Là, si, mais il le met, on dirait toujours qu'il a, il a fait la fête, il le met toujours trop proche. Non, tu as l'habitude, fais comme ça. Allez, donc, voilà, hop, regarde. Non, pas comme ça. Il me met en France. Ça fait dur. Voilà. Mais il y a le truc qui sort, là. Ouais, ça sort partout. Non, ah. il faut que ce soit comme ça. Les gens, c'est ça qui remonte derrière aussi, c'est énorme. Dans mon sens, ça va être la même ici. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Une fois qu'il l'a enlevé, ça se passe toujours accès. Voilà, c'est comme ça. Non, Marie-Hélène, elle peut tuer dans les bras là-bas. Parce que tu dis bonjour à ton bras. Tu l'envoies sur la tête. Non, je vais juste pour enlever les bras. On va prendre un peu de feuille. Ah oui, il est beau, hein. Mais. Un petit peu de devant. Ça va, pas mieux. Bonjour. Nous allons procéder à la célébration du mariage de Hubert Max René Poncé avec Maria Hélène d'Acosta. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213 et 215 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Monsieur Hubert Max René Poncé, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Maria Hélène d'Acosta? Mademoiselle Maria Hélène d'Acosta, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Hubert Max René Poncé? Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage.
Je suis très content d'être ici. Moi, très content de marier Nathalie va tout retraduire à l'Assemblée. Je suis très content de marier Marie-Hélène et Hubert. Moi, je suis son oncle. Et je voudrais, Marie-Hélène et Hubert, tous les deux, comme ça, vous vous êtes rencontrés tous les deux. Et puis, entre Marie-Hélène et Hubert, un amour est né. Et aujourd'hui, tous les deux, comme ça, tous les deux, vous vous mariez, ça. Vous allez dire oui. Et Dieu dit, moi, je vais jamais oublier Marie-Hélène Hubert. N'ayez pas peur, Moi, je ne vais pas oublier. Marie-Hélène et Hubert, tous les deux, vous allez lire. Vous allez lire, je vous retraduirai après leur promesse. Oui, non, je vais leur porter. Thank you.
les enfants. Où est Frédéric? C'est bien, mais dis-nous, on recommence.
À moi, à moi. Quand t'as pris, t'as... Ah oui. Le loyer, oui. Le loyer, 3700 francs. Oui. 3000. 3000. 3000. 7. Loyer, oui. Plus chauffage, oui. Plus chauffage et charge. Oui, ça. 3700 francs. $3,700. Loyer, chauffage et charge. C'est tout compris. T'as compris. Ok, l'eau. L'eau, c'est individuel. Individuel. Vous payez votre consommation. Vous payez votre consommation. Vous consommez l'eau. Vous recevez une facture. Vous payez votre consommation. Consommation d'eau. L'eau n'est pas compris dans le loyer. C'est à part. En plus. À plus ? Oui. Pour la salle de bain, pour chauffer, cumulus, cumulus, cumulus. Compris? Nous voici au terme d'un trimestre et d'une année. Il faut parler des résultats des enfants, de leur progrès et de l'année prochaine. Alors, nous allons commencer par Florent. Je regarde d'abord les parents avant de regarder. Alors, mathématiques, bien. Rythme orthophonique, Florent monte plus d'aisance. Lecture, très bien. Très bien également en orthographe. Bien en vocabulaire, un début en conjugaison, conclusion, excellent trimestre, bonne fin d'année qui augure d'une prochaine tout à fait sereine. Ça nous changera de ces rentrées difficiles et de certains matins où il a grogné et où il était très très malheureux. Oui. Voilà. Il est toujours très ému quand je lui fais un bisou. Frédéric. Ses parents. Ils sont pas là. Bon. Alors, moi, je peux vous dire, je peux le dire à toute la communauté réunie ce matin, c'est que Frédéric a fait beaucoup de progrès sur le plan du comportement. Il est plus scolarisé, ça se passe mieux.
on peut parler avec lui, il écoute. Maintenant, pour le travail, eh bien, des progrès en mathématiques, c'est très bien. En éveil, c'est aussi très bien. Frédéric s'applique. Il est enfin devenu un élève de la classe. Il a fait des progrès, alors là, je peux vous dire, étonnant, étonnant. Nous allons parler de Monsieur Antoine. Debout. Ah, voilà un monsieur qui travaille un peu à l'économie. Je ne suis pas très content. Tu ne travailles pas suffisamment. Il faut que tu t'appliques. En revanche, à la maison, le travail est toujours fait. Ça, je pense que la maman... Ben, est-ce que... On lui offre un petit sourire. Oui, oui, quand même, regardez le sourire. Regardez-le. Regardez-le. Attention, hein. Allez, attention, c'est le tour. Alors, en français, lecture bien, expression des progrès, expression orale, mathématiques, encore des difficultés, très bon trimestre, à vous doit parler plus à la maison, bien sûr. À la maison, tu fais des phrases avec maman, avec Baya, hein? Il faut parler. Tu peux, d'accord? Madame. C'est bien, Abou. C'est bien. C'est bien, monsieur Abou. Tiens. Et maintenant, nous passons à Tomo, qui a souvent squatté mon bureau pour finir son travail. Il n'était pas toujours fait. Et pour vous présenter l'état de décontraction dans lequel il s'est même trouvé un jour, c'est qu'il nous a apporté une bourse avec des pétards et un briquet. Tomo. Oui, oui, la maison. Maintenant, tu me dis la maison. Bon, dans l'ensemble, c'est convenable. J'espère que l'année prochaine, ça sera encore mieux parce qu'il en est capable. Lui, alors, depuis qu'on l'a eu, il a fait des progrès étonnants. Il va emporter un petit peu comme à la fois, vous voyez, un souvenir encore qui était confisqué depuis fort longtemps dans mon bureau. Le Game Boy. Je te le rends. Les pétards, je les garde. Le briquet aussi, ça sera un souvenir. Allez, c'est bon.